Discours du collectif des mouvements citoyens et groupes de pression du Nord Kivu sur la situation sécuritaire inquiétante de la province du Nord Kivu après les bombes larguées sur la population civile par les rebelles du M23/RDF dans le cadre de déplacés à Mugunga qui a fait plus de 17 morts. Excellences, Madame, Messieurs, militantes et militants, chers compatriotes, à vos titres d'égalité, bonsoir. Ce vendredi 3 mai 2024, les frappes des bombes des rebelles du M23 dans les gardes déplacés de guerre de Lushagala au quartier Mugunga et 8e Sepake au quartier Lac Vert en ville de Goma ont brisé la vie de moins de 17 hommes, femmes et enfants, 27 blessés dont 16 femmes et 10 enfants. À quoi sont-ils réduits dans la guerre aujourd'hui? Nous sommes aujourd'hui dans l'impasse, une impasse immortelle. Il faut que ces attaques s'arrêtent. Le collectif de mouvements citoyens et groupes de pression du Nord Kivu est concerné par cette attaque meurtrière effectuée contre au cas de déplacés où se situe la population civile. Les structures de santé, les parents et les personnels soignants, suite à la passivité notoire des autorités congolaises, à trouver les solutions et sont capables de protéger les personnes qui ne participent pas et plus aux hostilités. Si la nature de la guerre a changé, les règles de la guerre sont les mêmes. La protection de la paix et la sécurité vous est comme. Vous devez être à la hauteur des responsabilités qui sont les vôtres. Vous devez être exemplaire. Les déplacés de guerre, d'agression qui nous est imposée par les Rwandais par ce successif M23 et la mort ne sont pas synonymes. Les attaques contre les civils sont inexcusables et doivent cesser. Les auteurs doivent être tenus responsables après les enquêtes approfondies, impartiales et indépendantes menées par les juridictions compétentes. L'acte ignoble effectué par les rebelles du M23 a violation tactique des règles du droit international humanitaire dans les différents cas à Mugunga, dans la commune de Goma et Garissimbi, tuant plus de 17 civils, en blessant plus de 27, dont la majorité sont les femmes et les enfants, est un crime de guerre et crime contre l'humanité. Nous avons le devoir de condamner sans ambiguïté l'attaque effectuée par les rebelles du M23. Une attaque inhumaine, massive et abominable contre des civils. Mais méritons aussi une part de responsabilité aux autorités congolaises suite aux tactiques sur le terrain qui se caractérisent par l'observation des cessez-le-feu unilatéral par les efforts de ceux qui attendent à être attaqués pour répondre à l'assaut de l'ennemi et qui se soldent malheureusement par un repli stratégique définitif. Ces affirmations concordantes sont issues des faits récents observés sur les lignes de front du 1er au 9 mars, période pendant laquelle les terroristes du M23 ont intensifié des attaques contre les positions des FARDC sur l'axe nord, notamment à chefferie de Bwito, dans les groupements de Mutanda et Kirundo, où les rebelles ont réussi à récupérer des grandes agglomérations comme Yanzale, Kibirizi et la position stratégique de Ruzi sous l'œil impuissant de l'armée loyaliste, promise sur l'autre axe. La chute de Ngungu, Ubaya et Bitonda n'en pleureront même pas. Cet improprié de faire les choses laissera à croire à une complicité au sommet du commandement de l'armée loyaliste et aux institutions de la République démocratique du Congo, dont les motivations seraient de pousser les populations à des souffrances atroces, à céder aux caprices de l'ennemi visant à obtenir un dialogue direct avec le gouvernement congolais. Vu la gravité de la situation au Nord Kivu, exigeons au président de la République
les devoirs impériaux de tracer un chemin de paix, d'agir pour recréer des conditions propices à une solution politique durable à même de répondre aux aspirations légitimes des citoyens congolais à vivre en paix, non face à face, mais côte à côte. Clarifier la position de l'État congolais face à cette guerre d'agression que nous impose le Rwanda par le canal des rebelles du M23. La présence conditionnelle du chef d'état-major général pour régler les cacophonies des commandements et les ordres par ailleurs sur les lignes de front. La dotation des munitions de guerre et l'encadrement des résistants patriotes ouazaliens. Les retraits de tous les officiers généraux qui complotent contre la République démocratique du Congo et les défaire devant la justice. Demandez à son Excellence Madame la ministre de Justice et Garde des Sceaux à travailler rapidement pour déposer une plainte contre le Rwanda et ses complices M23 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Au procureur près de la Cour pénale internationale, d'ouvrir les enquêtes sur les attaques à répétition des rebelles M23 contre les cas de déplacés et pour tous les crimes de guerre commis à l'est de la République démocratique du Congo. À la population congolaise, de demeurer soudée à l'égard de nos efforts décès, tout en évitant d'être emporté par le désespoir. Dénonçons tout individu ou groupe d'individus susceptibles de mettre à tête à la sûreté collective. Ils sont victimes de bombes larguées par les terroristes du territoire. Aujourd'hui, nous lançons un appel au président de la République qui, lors de sa campagne à Goma, avait promis qu'on peut frapper le Rwanda à partir de Goma. Et aujourd'hui, les rebelles ne font qu'avancer. Les rebelles ne font qu'avancer au lieu que le président qui nous a promis qu'à la moindre escarmouche, il devrait attaquer le Rwanda. Et jusqu'à présent, on ne sait pas si ces promesses de campagne se réaliseront quand, aussi longtemps que, après avoir rencontré Emmanuel Macron, après avoir quitté l'Allemagne, c'est le lendemain que le terroriste du M23, appuyé par le Rwanda, ont repris la cité de Rubaya, Ngungu, Bitonga et autres localités. Nous demandons au président de la République de sortir dans l'hypocrisie de la communauté internationale et de chercher des alliés sérieux. Aujourd'hui, la population de l'Est est victime de ces richesses. Il y a les pyrochlores qui se trouvent dans les Rutshuru, qui aujourd'hui occasionnent cette guerre que aujourd'hui le Rwanda justifie la Libye de la présence des FDLR. Le monde entier doit savoir aujourd'hui que le Rwanda, sa seule motivation d'accompagner Mzé Kabila, d'accompagner l'AFDL, c'était d'exterminer le FDLR. Le Rwanda, pour avoir appuyé Laurent Kunda, pour appuyer les CNDP, c'était pour exterminer les FDLR. Après l'accord du 23 mars 2009, il y a eu l'opération Amanileo qui avait exterminé tous les FDLR dans la zone du Kivu, et on ne comprend pas jusqu'à aujourd'hui quels sont ces FDLR que Kagame demande aux Congolais de rapatrier ou d'exterminer. Avec l'opération Umoja Kwetu, plusieurs bataillons militaires du Rwanda sont entrés par la bénédiction du gouvernement congolais pour traquer les FDLR dans les Masisi, Rutshuru, Walikale, jusqu'à même dans les Maniema. Et aujourd'hui, le Rwanda continue à poser la Libye de dire qu'ils viennent pour les FDLR, pourtant c'est faux. Le monde doit savoir que les Congolais sont victimes de leurs richesses. Ils viennent nous tuer parce qu'ils veulent piller nos ressources. Et aujourd'hui, ils ne veulent pas les gagnants-gagnants, ils ne veulent pas respecter les lois de la République et ils veulent faire couler le sang des Congolais pour leurs minéraux, pour leurs richesses. Le monde doit savoir aujourd'hui que la Belgique a été construite par le pillage de la mine de l'étoile qu'on appelle Roi Shimaining.
Le monde doit savoir aujourd'hui que les États-Unis, la France et tous ces pays occidentaux ont pillé systématiquement les Congos et les Congolais sont devenus pauvres. Si on parle aujourd'hui des minéraux stratégiques, aujourd'hui, le lithium qui aujourd'hui fait à la une du monde, tous ces Congolais qui meurent dans les carrières, tous les Congolais aujourd'hui qui produisent des iPhones, qui produisent aujourd'hui des ordinateurs, aujourd'hui ces Congolais achètent des ordinateurs à un prix exorbitant. Nous demandons à la communauté internationale de cesser cette complicité. Nous appelons au Rwanda, Nyerere, Makus Gavel et les autres panafricanistes ont lutté pour l'unité africaine. Mais on comprend que le Rwanda est en train de jouer le bouc émissaire pour l'Occident, en fait que les Congolais soient massacrés pour leurs richesses, pour leurs minéraux. Trop c'est trop. Nous demandons au président de la République, comme il est capable de réaliser ses promesses de campagne, de démissionner. Car c'est ici à Goma, au stade Afia, qu'il a promis qu'il va frapper les Rwandais à partir de Goma. Mais comme il est capable de frapper les Rwandais, même à partir de Mouchaki, même à partir de Kanyaruchinya, qu'il démissionne parce qu'on ne voit pas de stratégie qui va aider nos citoyens à sortir de la misère du camp. La situation humanitaire aujourd'hui est dégradante dans les cas des déplacés. Aujourd'hui, le gouvernement congolais est en train de détourner des millions dans des projets non-sens et pourtant nos frères meurent de cochon corps dans les camps des déplacés. Trop c'est trop, on en a marre.